Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une bolognaise. Et pour ça, il nous faudra de la viande hachée, de l'ail, des oignons, un bouquet garni, du concentré de tomate, de la pulpe de tomate, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et maintenant, on peut commencer la recette. Alors pour commencer, je vais un peu débarrasser ma planche. Et je vais enlever ma viande et m'atteler à couper mes oignons. Alors les oignons, vous allez voir comment je les coupe. Hein. Je vais les couper assez fins. Vous connaissez ma méthode de toute façon. Pas oublier, voilà, notre sucre et notre bouquet garni. Vous avez vu, je coupe ça fin. C'est moi le plus rapide, lol. Voilà. Vous avez vu, c'est rapide. Hein. Voilà. Je fais chauffer un peu d'huile d'olive. J'y mets à suer mes oignons. Quand ils ont bien sué, je vais y mettre ma viande hachée. Alors la viande hachée, je ne la jette pas comme ça dans la casserole. Hein. Je vais y mettre des petits morceaux. Comme je dis tout le temps, je les graine, en fait, ma viande hachée. En plus, elle est magnifique. Là, il y a à peu près 600 g de viande hachée. Vous voyez comment je fais mes petites boulettes. Voilà. Et je mélange et je recommence. Voilà, toute ma viande hachée est dans ma casserole, donc on fait tout. Et je mélange bien pour avoir une cuisson bien homogène et ma viande bien égrenée. Là, je vais mettre mon sel, regardez la quantité, à peu près une cuillère à café, un petit peu moins. Mon poivre, du moulin. Et je vais y mettre ma pulpe de tomate. Alors, je ne jette pas mon cul de poule, hein, je vais y mettre de l'eau dedans, à peu près un verre. Donc je mélange bien, je mets mon paquet de sucre pour enlever l'acidité et je vais écraser mon ail tranquillement et la couper grossièrement. En fait, ce que je veux, moi, c'est que mon ail il compote. Voilà. Et je mets mon ail et mon bouquet garni. Donc je mélange bien. Une fois que j'ai bien mélangé, voilà, je rajoute mon concentré de tomate et mon verre d'eau. Et là, je mélange bien et surtout, je mets bien mon bouquet garni au fond de mon plat et je laisse cuire à feu doux pendant 25 minutes à couvert. Les 25 minutes sont pas encore passées, là je contrôle, ça a besoin encore un peu de cuisson, là il y a à peine 15 minutes, donc on va rajouter nos 10 minutes, voilà, et à couvert évidemment. Là ça m'a l'air parfait, oui c'est parfait, donc j'enlève mon bouquet garni. On ne peut pas le manger. Ouais, ça c'est parfait. Regardez, il n'est pas trop liquide, il est bien épaissi. La viande est absolument parfaite. Et ben, il me reste à préparer des linguini. C'est 8 minutes de cuisson. Moi, je les cuis un tout petit peu moins parce que j'aime bien qu'elles soient al dente, comme ils disent les Italiens. Donc, c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur Fredo Cuisto. N'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous avez des questions à poser. Vous n'hésitez pas. À bientôt !